alias Black Oyalo Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation. Depuis que nous sommes assis ici, même pas un petit truc pour grignoter. Déjà que pour que la boisson s'y arrive, c'était tout un scénario. Mais nous sommes dans quel genre de famille comme ça? Oui, grand, ça va venir, non? Ça va venir. Hey, c'est même pas une famille qui dérange, hein? C'est une famille comme ça. C'est sûr qu'ils sont à la cuisine en train de concocter quelque chose de bien. Je t'ai dit, tu aimes trop vite. Tu aimes trop vite. Tu ne prends même pas le temps d'utiliser un dossier, mais tu... Yes. Ah. Grand, pardon, je ne veux pas moi les nerfs aujourd'hui, grand. Je veux qu'on soit calme. Je veux vraiment que... Ça, c'est un jour spécial pour moi. Je veux pas que les tensions se mettent... Je veux pas moi ça. Ma mère arrive. Il t'a dit non. En passant, où est mon dépôt? Ouais, chou, bébé. Est-ce que c'est ici que tu vas me demander ça? Il n'y a pas de ouais, chou. J'ai demandé où est mon dépôt. Trésor, on est venu pour une autre situation. J'ai demandé où mon dépôt était. Tu peux même laisser, même on finit d'abord le problème si avant qu'après. Non, c'est pour ça que tu n'as pas fait mon dépôt. Tu vas faire quand? Pardon, Flo, quand? Bébé, je vais t'envoyer. Chou, pardon, je vais t'envoyer. S'il te plaît. Je vais t'envoyer, non? Mon petit, ça va te laisser. Tant que c'est nous, ça c'est la WC. Hé, petit! Elle n'est pas comme ça, grand. C'est parce que l'émotion du mariage qui fait elle se comporte comme ça. Sûr que quoi? Sûr que quoi? Tais-toi là-bas. Hein. Ferme ta bouche là-bas. Tu parles ce qu'on croit que c'est une fille qui parle. Tu as la maison familiale à ton âge. Tu connais seulement voix pour les gens pour parler. Tu fais le toqué pour te. Ha! Oh yeah. Oh. C'est... Bon, comme je suis depuis avec Divala, comme moi, je n'aime pas moi les pincotis-relations comme ça, là, les pincotis-relations. Bon, moi, j'ai dit que au lieu qu'on reste toujours derrière, comme on était d'abord venu pour prendre, pour faire le truc, pour faire la présentation, et puis tu as dit que tu vas nous donner la liste. Bon, c'est là où j'ai pris ma famille. Ça, ce sont mes soeurs avec mes cousines. Et ça, c'est mon grand frère pour venir avec pour que tu nous donnes la liste. Non, c'est ma famille ici. Même tu connais mon comportement, hein. C'est pas moi le genre de personne qui... Mais tu peux me dire qu'on n'a rien mangé depuis que nous sommes assis là. Et même pour boire, c'est tout un problème. Ah bon, Ben. Tu es venu ici manger. Tu ne pourrais pas porter la nourriture de chez toi, pas porter ici. Mais ah, le vous sortez d'où? Maman, pardon, toutes mes excuses, les mêmes pardon. Ça va. Bon, chers messieurs, chères madames, bonsoir encore une fois de plus. Merci papa. Merci. Comme je disais tout à l'heure, vraiment voici ma sœur, notre fille, notre mère, notre grand-mère. Grand-mère parce qu'elle porte le nom de la grand-mère. Et elle nous a fait part de votre arrivée. Oui, elle a dit que vous devez arriver pour toquer la porte. Et nous sommes vraiment très contents. Donc, je vais laisser le soin à ma Chris, qui est la reine-mère de cette maison, de vous dire ce qu'il faut. Vous avez dit qu'il s'appelle comment, hein? Moi, je suis chef du deuxième degré. Bon, tout mot. Ok, ça va, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je vais aller droit au but. La dot, ce pourquoi vous êtes là. Vous avez de quoi noter, prenez avec vos téléphones. Oui, maman. Note. Tu l'as longueur A, il faut bien écrire. D'accord, maman. Il faut 7 bœufs. Ça se garde à quoi? Écris seulement 7 bœufs. Écris. Attends, tu comprends que 7 bœufs, hein? Arrête-moi tes choses là. Hein? Oui. Comme tu as fait 2 avortements à la maison, c'est moi qui ai tout payé. Qui a payé tes avortements? Tu es venu me saccager. Tu doutes alors pourquoi? Tu veux gâter mon mariage? Pourquoi? Tu es venu ici pour gâter mon mariage? 7 bœufs, écris 7. J'ai dit qu'il faut 10 bœufs.
Hein? Mais vous avez dit 7 bœufs, non? 10 et 10. J'ai d'abord demandé 7. Parce que vous me perdez le temps, maintenant ça monte à 10. Et si vous continuez, ça va monter encore plus que ça. Merde, ni le lait. Vous venez d'où? Écris 10 bœufs. Ce sont tes bœufs. On t'appelle les bœufs. Dans les 10 bœufs, donc il y a 5 bœufs, 5 vaches. Il faut 7 porcs, long châssis. Voilà. Le porc fait le crando. Attends, tu comprends ça? Je veux même pas que tu ouvres ta bouche toi-même là-bas. Hein? Ou même pas ta bouche. Si tu n'étais pas mon grand frère, je juge, j'allais te gifler, ta tête allait revenir. Tu as fait le maquillage, ça a échoué. Maintenant que tu viens ici, la jalousie va te tuer comme ta petite sœur en mariage, tu es encore à la maison familiale. Tu es venu nous gâter ici là, c'est comment? Tu viens exposer ta famille. Vous voulez gâter mon mariage pourquoi? Vous voulez gâter mon bonheur pourquoi? 7 pas long châssis. C'est écrit maman, 7 pas. 7 pas long châssis. 7 pas long châssis. Il faut maintenant 10 sacs de morue, 10 sacs haut de gamme de morue. Pas la morue comme là partout, 250, 500. Hein. Maman, c'est quel ja? La morue, le mankanjo. Voilà. Le ja qu'on coupe seulement avec ta machette. Voilà. Le mankanjo. Tu viens à la maison familiale, ton âge, on ne peut pas te taper. Tu viens ici comme c'est une jeune fille, ton cou veut gonfler. Ok. Voilà, mais c'est fini. C'est pas encore fini. Il faut 20 chèvres. Voilà. 20 chèvres. Mais... 10 chèvres, 10 boucs. Ok. Regardez la maison là. Retournez-vous, vous regardez. C'était prévu pour 3 niveaux. Les moyens ne nous ont pas permis de continuer. Donc tu vas faire le deuxième niveau. Attends, la mère, c'est là-bas que tu vas vivre. Je demande à toi, tu parles même quoi? De quoi je me mêle? C'est la tête de ma fille. Hein? Même si je vis, ça te fait quoi? C'est ma belle famille, ça te dérange? Ça te dérange? Je ne crie pas cela. Rien que. Vous avez pondu, vous, toi, là, vous avez pondu les enfants comme oui. Les petites pondeuses à la maison partout, il n'y a même plus l'espace. Pas de problème, je ne crie pas ça. J'ai fait. Et ça fait quoi? J'ai fait. Ça fait quoi? Et le monde a fait les enfants, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ça que tu es venu chercher? C'est ça? C'est pas encore tout. Ok, il y a quoi? Il y a la barrière. Vous devez faire la barrière à marbre. Marbre, oui. Je n'écris pas montre-moi ça, maman. La qualité. Tu vas seulement ruiner mon frère, comment? Tu vas seulement écrit, là. Ça te concerne à quoi? Vous laissez-moi que je dois prendre mon âge chaque fois. Je m'occupe de vous. Il m'occupe de vous. Moi-même, je n'ai pas de bonheur. Je dis, il y a la maison du grand frère Villa n'est même pas encore finie. Toi, tu viens construire la maison chez les filles ici, là. Donc, c'est mon grand frère qui vient construire son grand-père. Son père, il a construit. Toi-même, tu as la maison. C'est pour la belle famille que tu vas venir construire. Et bien, on va laver ta tête. Bande de mal élevés, je ne vous réponds même pas. L'air de fille. Parlons dégager. Toi, on t'a pas branché. On t'a même pas branché là-bas. Pardon, on t'a pas branché là-bas. Je ne sais même pas ce que tu as dans le mariage. Attends, la mère, pourquoi tu ne prends pas une fois une plaque? Tu es accroché sur le cou de ta fille, tu mets fille brune à vendre. Hein? Tu vois tout ce que tu veux dire là, non? Tu as fini, non? C'est ta doute. Tu as fini, non? C'est toi qui viens douter. C'est ce que je voulais te tu dire. Tu es seulement venu accompagner. C'est ce que je voulais te dire. Il faut dire. Que... Aïe! À moi. Yahweh, Langyong. Tu as dit ça, ma belle-mère. Belle-mère de moi. Je prends mon whisky pas avec elle. Ça, c'est le whisky. Je mange quoi? Hé, Pam Kenyon. C'est une escroc. Bref. Tu as dit mon mariage. Je n'ai rien à foutre ici. Rombière. Même tu es venu faire quoi? Tu es une rombière. Bandi. Rombière. Bandi. Rescapé. Rescapé. Chou. Moru. Ma Chris. N'oublie pas que nous avons aussi les garçons. C'est Cathy. Nous avons les garçons et ça fait quoi? Ils vont aussi épouser les femmes. La dot, c'est degré, niveau par niveau. Tu m'entends? Ça dépendra de là où mes garçons vont aller doter leurs femmes. Et quel sera le niveau de ces femmes? Et là, maintenant, ça, c'est le niveau de ma diva. La beauté physique est là. Regarde les seins debout. Deux flèches avec la licence dans la maison. Là, c'est le niveau de diva. Et je ne discute pas avec quelqu'un. Mais quand Abeni mourt, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Mais laisse, comme tu les vois là, hein, c'est la jalousie qui veut les tuer. Parce qu'elles ont toutes les cinq babouches. Ben, quand ils voient les cinq mandarines comme ça, ils veulent mourir. Mais regardez là comme ça, vous voulez vous mesurer à moi. Vous avez bien vu. Merde. Regarde comment ils sont laides. Les filles sont en forme.
Regarde celle-là, elle est formée comme un fût. Elle vient parler à ma blanche. Banga beye. Regarde ma bombe nombre homi. Lang rinan. Merde. Regarde moi. Mais. Maman, pardon. Chou, je demande pardon pour tout ce que ma famille a fait. Tout ce qu'ils ont dit, je demande pardon. Mais pardon. Mon beau-fils, lève-toi. Est-ce que c'est un problème? Ouais. Matrice, vraiment, ce que tu viens de faire là, c'est inacceptable. Hein? Je vais vous dire un truc. Le mariage, c'est l'union de deux familles. Et? Ils sont jaloux de moi. Famille. Ils sont jaloux de moi pour rien. On ne doit pas se comporter de la sorte devant la belle famille. C'est Cathy. Quand toi, tu épouses ma soeur, c'est pour vivre où? Ce sont elles-là qui viendront vivre avec elle, non? Dieu va à la licence. Dis-moi, tu as acheté un crayon un jour pour elle? Attends. Et mon grand frère n'achetait pas? Ton grand frère, c'est toi? Mayou, ouais. J'oublie. Ton grand frère, c'est toi? Tu me prends mes Mayou, ouais. J'oublie que c'est la famille qui a fait de lui. Mais. Ah. C'est Cathy. Elle est âgée. Je sais que tu es une affamée. Ah. Je sais que tu es celui-là qui court derrière les pierrettes. Ah bon? Mais moi, je n'ai pas faim. Je vais te dire quelque chose. Et toi, et tes acolytes de petits jaloux, sors! Pas même d'Akenek. Sors! Tonton, sors. Je sors. Ouais, maintenant, les femmes, c'est l'aide. Je vais partir, mais retiens une chose. Quand tu vois les voitures en route, là, il y a les taxis, la couleur jaune. Il y a les voitures personnelles. Chacun en prend le taxi et ressort à destination. Mais ne peut être au volant d'une voiture personnelle que celui qui a su économiser et acheter une voiture. Comment ça, comment? Pam, Kenek, sors de chez moi. Kenyo. Tu as tué mon grand frère. Pam, Kenek, j'ai tué. Je vous laisse avec. J'ai tué. Je vous laisse avec. J'ai tué. Toi-même, vais te tuer. Je vous laisse avec. J'ai tué. Tu as quel âge? J'ai tué. Depuis que tu as fini l'école, tu as le travail. Sors de chez moi. Merde. Tu es jaloux quand vient de te ma laisse. T'as pas qui vieillit à la maison. Il a tué. Calme-toi. Vas-y. Ah, pardon, ne te passe mon pas. Fils, oh. Chou, ouais. Ne te passe pas, bébé. Ne te mon passe beau pas. Fils. Oh, maman. Tu sais, toute cette bande-là, c'est des petits jaloux. Pour rien, maman, pour rien. J'ai passé toute ma vie à travailler pour eux. Parce que même dans leurs rêves, les plus fous, ils ne peuvent pas avoir une belle épouse comme Dieu t'en a donné. Cheval blanc sans tache. Ouais, papa. H, je vais te faciliter la tâche. Noga, tu comprends? Tout à l'heure, j'étais entendu dire que ouais, oui, 13 millions. Tu as 13 millions dans le fonds de commerce. Voilà. Alors, mon beau-fils. Alors, je voulais t'appeler que mon fils parce que je suis enthousiasmée. Mais ma singa d'Arlet. Je suis très contente. Tu sais ce que tu vas faire? On n'a plus besoin de la présence de ces jaloux-là. Ils vont encore chercher à m'énerver. Et si je m'énerve, tu risques de perdre. Mais je fais quoi alors? Ce que tu vas faire, tu vas aller dans ton compte de 13 millions. Tu enlèves seulement 10 millions. Tu viens me doter. Ça va couvrir tout ce que j'ai demandé. Le reste de 3 millions, tu gères avec ma fille. Diva. Oui, c'est ça. 10 millions comment? Comme tu comprends, ma mère dit là. 13 millions, c'est le fonds de commerce, hein? Ça fait quoi? C'est-à-dire que c'est les marchandises que j'ai pris à crédit. Tu veux quelque chose de bien. C'est ça qui fait tu ne peux pas payer pour ça. Tu veux me doter à combien? Non, regarde-moi et dis-moi aussi toi-même. Papa ne dépose pas 3 millions dans tout là. Ouais. Moi, je vous croyais que bon, je devais payer un peu avec les bénéfices que je gagne chaque jour. Ah, pardon? La Diva ressemble à un peu. Ouais. Je croyais que toi, tu étais quelqu'un, hein? Comment on dit que les moutons sont les moutons? Ça veut dire que tu n'es pas différent de ton villageois de oncle. Va, hein? Tu entres dans la tontine avec ton un peu. Quand ça va atteindre 10 millions, tu reviens. Toi, mais pas, Menda. Kenek, pam, Kenek. Hé, ouf! 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 Quand on est que, hein? Regarde, ma guama, elle nous brûle. Un peu. Tu n'as dit qu'elle est un peu. Regarde-moi un peu. Quand vous-même vous êtes un peu. Ah pardon, laisse, assois-toi. Assois-toi. Mais deux. C'est encore le directeur là qui me proposait 7 millions. Et il est grand commerçant, il manque. Ils vont toujours venir. Ta fille, tu n'as pas confiance en ta fille, maman. Ta fille, aille là-bas. Laisse, ils vont venir.
Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va! Yeah!